ke na sosak makwala. Bad pake ke na kimak makwela. Bad pake ke na sosak makwele. Bad pake ke na lawuka na diamba. Bad pake ke na lendak na diamba. Bad pake ke na yambuka na niamba. Bad pake ke na sosak badianga. Bad pake masete kak misabi. Bad pake masete lak ba yupi. Bad pake ke na bule kamikili. Samla sa tombong ba mekuma kili kili. Bad pake ke na sosak mikisi. Bad pake ba na balula bambisi. Bad pake ke na losak makwala. Bad pake ke na sosak makwala. Bad pake ke na kimak makwela. Bad pake ke na sosak makwele. Bad pake ke na lawuka na diamba. Bad pake ke na lendak na diamba. Bad pake ke na yambuka na niamba. Bad pake ke na sosak badianga. Bad pake masete kak misabi. Bad pake masete lak ba yupi. Bad pake ke na bule kamikili. Samla sa tombong ba mekuma kili kili. Bad pake ke na sosak mikisi. Bad pake ba na balula bambisi. Bad pake ke na losak makwala. Bad pake ke na sosak makwala. Bad pake ke na kimak makwela. Bad pake ke na sosak makwele. Bad pake ke na lawuka na diamba. Bad pake ke na lendak na diamba. Bad pake ke na yambuka na niamba. Bad pake ke na sosak badianga. Bad pake masete kak misabi. Bad pake masete lak ba yupi. Bad pake ke na bule kamikili. Samla sa tombong ba mekuma kili kili. Bad pake ke na sosak mikisi. Bad pake ba na balula bambisi. Bad pake ke na losak makwala. Bad pake ke na sosak makwala. Bad pake ke na kimak makwela. Bad pake ke na sosak makwele. Bad pake ke na lawuka na diamba. Bad pake ke na lendak na diamba. Bad pake ke na yambuka na niamba. Bad pake ke na sosak badianga. Bad pake masete kak misabi. Bad pake masete lak ba yupi. Bad pake ke na bule kamikili. Samla sa tombong ba mekuma kili kili. Bad pake ke na sosak mikisi. Bad pake ba na balula bambisi. Bad pake ke na losak makwala. Bad pake ke na sosak makwala. Bad pake ke na kimak makwela. Bad pake ke na sosak makwele. Bad pake ke na lawuka na diamba. Bad pake ke na lendak na diamba. Bad pake ke na yambuka na niamba. Bad pake ke na sosak badianga. Bad pake masete kak misabi. Vous êtes le beau-frère de la personne qui vient de décéder. Il s'agit de Monsieur Mankou Gilbert, dans des conditions un peu difficiles. Voulez-vous nous dire comment l'information vous a été donnée? L'information, c'est ma femme qui a quitté la veillée. L'enterrement, même c'est aujourd'hui. Ma femme a passé une nuit là-bas. Elle est venue en courant à la maison que me dire que voilà, il y a le grand frère qu'on nous appelle la veillée là, mais vraiment, il est en état qui n'est pas normal. Donc, faites vite. Vraiment, il souffre. Or, il est déjà mort. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le taxi. Je suis venu ici, je viens là, mais montre, la personne est déjà enflée dans le camion. Ce monsieur, dont la dépouille mortelle vient d'être emportée directement à Vindoulou pour son inhumation, c'est un certain Mankou Gilbert, mécanicien de profession. Il avait atteint la soixantaine. On l'a trouvé mort dans des conditions inexpliquées, dans un véhicule de marque Toyota Fortuna qu'il réparait. D'après le témoignage recueilli sur place, il y serait entré depuis lundi. Et c'est ce mercredi qu'on a constaté l'irréparable, c'est-à-dire, mu ou motivé par les odeurs puantes, on a retrouvé le corps de ce dernier en état de putréfaction dans ce véhicule. C'est alors que les agents et de la police et de l'hygiène ont été appelés pour venir recueillir ce corps. En tout cas, aucune explication objective sur place n'a donné véritablement des explications sur son décès. Même les membres de la famille qui ont été interrogés n'ont pas été capables de dire avec précision comment il a trouvé la mort dans ce véhicule. Qu'il soit simplement entendu qu'en tant que réparateur, il était chargé dans ce garage de la réparation de certains véhicules
dans le véhicule dans lequel il a trouvé la mort.